Morgen, allez, Idan Letus, aujourd'hui le Lunish Matavra Mordechai Ben Yitzhak Vefani, Dvora Bat Esther, si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions dans le Sechet Yamad Père Gimel, Mishnah Vav, Shlosha Achim, Shnaim Nesuin Shte Achayot, Vechad Nesuin Ochrit, Met Echad Mi Baale Achayot, Vekanas Nesuin Ochrit et Ishto, Vamet, Arishona Yotza Mishum Achotisha, Mishnah Mishum Tsarata, Asaba Mahamar, Vamet, Nochrit Choletzet, Velo Mityabemet. Shlosha achim shem nesuin shtei achayot ve'echad nasuin nochrit met nasuin nochrit ve'kenas echad mibalei achayot et ishto ve'met arishona yotza mishum achotisha ushniya mishum tzarata asaba ma'amar ve'met nochrit choletzet ve'lo mitya ve'met. Mishnah relativement facile. On continue avec la situation qu'on évoque maintenant depuis maintenant du Mishnah en arrière. On a trois frères, Reuven, Shimon et Yosef. Trois frères de même père. J'ai pris Yosef comme je vous avais dit. Comme ça, je prends un frère qui est complètement distinct, comme ça on ne s'embrouille pas pendant qu'on parle. Reuven Shimon, c'est les deux frères complices qui louent. Et à part ça, il y a aussi Yosef. Et Reuven et Shimon, ils sont mariés à deux sœurs. Ok. La problématique de toute notre Mishnah, c'est quoi? C'est qu'en réalité, par rapport à... lorsqu'il y a une seule femme qui va tomber devant Yosef, Yosef va pouvoir la prendre. Mais si les deux, elles se retrouvent en même temps devant Yosef, Yosef, il est bloqué. Il se retrouve avec, d'un côté, ici, il va prendre elle. Parce que c'est sa Yevama, c'est à moitié sa femme. Mais le problème, c'est que l'autre aussi, elle est à moitié sa femme. Et donc, si elle est la moitié ma femme, donc elle, en plus d'être à moitié ma femme, elle aussi à moitié ma belle-sœur, la sœur de ma femme. Et j'ai plus le droit d'aller avec elle. Et elle est inversement. Donc, en fait, je me retrouve bloqué, je vais faire la khalifa avec les deux. C'est la donnée de base qu'on avait dans le Mishnah d'Alet. À présent, on va compliquer là. Hein, quelques petits éléments supplémentaires, au contraire. Shlosha Achim, Shnaimen, Shtachayot, on est trois frères. Dont deux sont mariés à deux sœurs, donc Reuven, Shimon et Yosef, qui sont mariés à Rachel et Léa. Ve Echad Nasuin Ochrit, et Yosef, il est marié à une autre femme qui s'appelle Osnat, vous vous rappelez? Yosef, Osnat, une étrangère complètement, une égyptienne. Et quoi? Met Echad mi Baalei Achayot, il y a un des deux frères mariés aux sœurs, donc Reuven qui meurt, qui décède. Ve Kanas Nasuin Ochrit, et Ishto, et celui qui est marié à l'étrangère, donc Yosef qui est marié à Osnat, il va aussi rajouter. Dans sa maison, il va rajouter Rachel, il va se marier maintenant, avec Rachel aussi. Donc maintenant Yosef, il a deux femmes, une qui s'appelle Rachel, et une qui s'appelle Osnat. Et quoi? Et donc, Vekanas, Nasuin, Ochrit et Ishto, donc celui qui marie à l'étrangère, il l'a marié, et puis finalement le pauvre Yosef aussi, accident de voiture, il meurt. Et donc, il y a maintenant devant Shimon, le frère, le rescapé des trois frères, qui se retrouve maintenant avec une femme, la sienne, c'est Léa, et deux femmes qui sont Iboum, une qui s'appelle Rachel, et une qui s'appelle Osnat. Or, Rachel, c'est sa belle-sœur par sa femme. Donc Rachel ne va pas être en Iboum devant lui. Or, si vous vous rappelez de la première Mishnah qu'on a appris dans Maseret Yevamot, puisque maintenant Rachel s'est devenue ça, puisque maintenant Shimon il est marié avec Léa, il ne peut pas faire le Iboum à Rachel. Et Rachel et Osnat, ce sont des, comme on avait dit déjà, des co-conjoints, j'ai oublié le mot, peu importe, j'ai oublié le mot, c'est pas grave, c'est elles sont toutes les dents, c'est deux tsarotes qui sont en même temps, d'une même maison, et bien une tsara va interdire l'autre, c'est ce que la Mishnah m'enseigne, va mettre, donc il est décédé Yosef, Arishona Yotza Mishum Achot Isha, la première va sortir, va être divorcée, des co-épouses, je crois que ça s'appelait. La Rishona Yotza Mishum Achotisha, la première va être libérée, donc la première ça veut dire Shimon, Rachel, la première qui était tombée déjà initialement en Iboum devant Yosef, que Yosef avait prise, elle va sortir à cause de Achotisha, elle peut plus être en Iboum devant Shimon parce que c'est la sœur de sa femme. Donc Shnia, Mishum Tsarata, la deuxième, Osnat, elle va être libérée parce qu'elle était Tsarata. Maintenant, autre situation, c'est que Yosef il n'a pas encore fait le Iboum à Rachel. Il a juste fait à Sabam Mahamar, il a juste donné les Kiddushin Midérabanan, vous vous rappelez? Donc en théorie, du point de vue de la Torah, lorsque Yosef décède, il a une seule femme qui vient en Iboum, devant Shimon, c'est Osnat. En théorie, Shimon devait prendre Osnat. Seulement, Midérabanan, comme Yosef, il a déjà donné, il a fait des Kiddushin Mahamar à Rachel. Rachel, c'est devenu un peu plus sa femme. Il s'avère que maintenant, lorsque Yosef va décéder, eh bien... il y a même aussi sa trois quarts femme là qui s'appelle Rachel maintenant, puisqu'elle a commencé à se marier avec elle, qui va aussi tomber en Iboum devant Shimon. Or, c'est la sœur de sa femme.
puisque c'est la sœur de sa femme. Elle va interdire Osnat, mais tout ça, c'est que Midrabanan de se mettre en mesure de lui faire la chalitza et pas le hiboum à Osnat. Et c'est ce que la Mishnah m'enseigne, donc je reprends. À Sabamar, c'est le Mahamar, s'il a juste fait le Mahamar, Yosef, il a fait le Mahamar à Léa Rachel, va mettre, et ensuite il est mort, Yosef. Eh bien, Nochrit, l'étrangère, Osnat, choletzat volomitia bemet, elle devra faire la chalitza, mais pas le hiboum. Même principe, avec une petite nuance, mais exactement la même chose. Shlosha Achim, on a trois frères, Reuven, Shimon et Yosef. Shnaimem, Nesuin, Shtachayot, on en a deux qui sont la douceur, donc Reuven, Arachel, Shimon, Alea. Ve'echad, Nesuin, Nochit, un qui est marié à une étrangère, donc c'est le troisième, c'est Yosef qui est marié à Osnat. Meta, Nesuin, Nochit, à présent, on fonctionne à l'envers. Meta, Nesuin, Nochit, le Nesuin, Nochit, celui qui est marié à l'étrangère, Yosef, c'est lui qui décède le premier dans l'histoire. Ve'kanas, Echad, Mibale, Achayot, et Tishto, et il y a eu ensuite un des deux frères, Reuven ou Shimon, on va prendre Reuven, qui a décidé de se marier avec Osnat, c'était ça Yevama, pourquoi pas, il a fait une belle mitzvah. Et ensuite le pauvre Reuven, il est mort. À présent, il a deux femmes, et il n'a toujours pas eu d'enfant. En théorie, il doit faire le hiboum, donc il devrait y avoir Rachel et Osnat qui vont tomber en hiboum devant Shimon. Mais là, il y a un nouveau, le même problème qui va se poser que quoi, Vamet, il est mort. Eh bien, Rishona Yotsa Mishon Machotisha, la première femme qu'il avait initialement, Rachel, elle va être libérée. Parce que c'est Achotisha, c'est la sœur de sa femme, puisque c'est sa belle-sœur, ils sont mariés deux sœurs. Et Vishnia Mishum Tarata est la deuxième, la nouvelle femme qui est arrivée maintenant, Osnat, qui était la deuxième femme qu'a pris Reuven, eh bien, elle va être libérée sans Khalitsa Niyiboum à cause de Tsarata, à cause de sa Tsara. Ensuite, Asaba Mahamar, si toutefois il a fait le Mahamar, c'est-à-dire que Reuven, il a juste fait le Mahamar, qui touchait Mahamar à Osnat, donc c'est pas vraiment devenu sa vraie femme. En théorie, lorsque Reuven va décéder, alors, finalement, Osnat, du point de vue de la Torah, c'est la femme de Yosef uniquement. Reuven, quand il fait le Mahamar, c'était du bluff, c'est pas des vrais kiddushin, c'est pas des kiddushin de la Torah. Donc Osnat, elle est encore toujours mariée, c'est toujours la femme de Yosef qui attend qu'on lui fasse le hiboum, soit Reuven, soit Shimon. Donc en théorie, Osnat devrait faire le hiboum avec Shimon. Mais quoi? Mais quoi? Puisque Reuven, il a fait le kiddushin à elle. Alors, en faisant un kiddushin, il a plus rapproché de lui, c'est devenu sa femme aux trois quarts, plus qu'à moitié. Et là, c'est devenu un peu plus sa femme. Et c'est-à-dire que comme maintenant Reuven va décéder, alors Osnat, elle va devenir en hiboum aussi un petit peu grâce à lui. Et ça, ça nous fait plein de problèmes, on rentre pas dans trop de détails, mais de manière générale, on va dire, elle tombe maintenant, de par lui, devant Shimon, et or, si ça devient la femme de Reuven, un petit peu. Alors, la femme de Reuven, il est déjà marié à aussi la sœur de la femme de Shimon, il est marié à Rachel. Et de ce fait, Rachel va interdire Osnat. C'est ce que la Mishnah enseigne, Nochrit, Cholet, Sat, Volom, Tia, Bemet, l'étranger devra faire la Khalitza devant Shimon, sans faire le hiboum. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de la Sarfakot, tout ça.